Bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue à ce programme. Je suis le pasteur Yvon Mouquetou, très heureux de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Toujours béni de pouvoir être avec vous, vous qui nous suivez, qui êtes connectés, qui partagez avec nous cette passion pour la parole de Dieu. Merci à vous tous pour votre soutien. Nous commençons une nouvelle saison, une nouvelle série d'émissions et nous allons nous intéresser aux dangers de l'occultisme. Nous allons regarder d'un point de vue de la parole de Dieu qu quels sont les dangers de l'occultisme et quelles sont les solutions bibliques, hein, bien sûr, euh, apportées euh, par la parole de Dieu. Voilà, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Nous recommençons en grande pompe avec un sujet très intéressant. Alors n'hésitez pas à le partager à vos parents, à vos amis, à vos connaissances, aux personnes qui sont intéressées par ces pratiques-là, parce que beaucoup ne connaissent pas ou ne mesurent pas les dangers auxquels ils s'exposent. Et nous devons les éclairer par la parole de Dieu. On va prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie que tu nous donnes et l'opportunité de partager ta parole. Qu'elle nous éclaire, qu'elle nous révèle le cœur de Dieu et qu'elle nous transforme pour ta gloire. Merci de te révéler à quelqu'un qui ne te connaît pas encore ou qui te cherche. Seigneur, accorde ta grâce, accorde le salut et la délivrance au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cette série va être très intéressante. Et en fait, pour vous donner un, un petit contexte, euh, qu'est-ce qui m'a amené à, 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 à méditer sur cette série Ça s'est fait en deux temps. Il y a deux ans de cela, euh, je regardais les informations, Journal de 20 heures, hein, la chaîne nationale. Et il y a eu un reportage à un moment donné sur euh, la pratique de la sorcellerie euh, en rapport avec les nouvelles générations. Et ils ont parlé d'une jeune dame qui avait des abonnés sur Instagram, Facebook, et qui faisait des vidéos où elle parle de la sorcellerie et de toutes ces choses. Et la jeune dame expliquait que voilà, tout le monde peut être sorcier, euh, tout le monde peut faire de la sorcellerie, euh, que ce n'est pas ce qu'on croit. Et je vous assure que j'étais scandalisé, choqué, révolté et énervé. Et je m'étais dit au journal de 20h, je suis en train de suivre le journal avec mes enfants et ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire la promotion de la sorcellerie et de l'occultisme. J'ai beaucoup pensé à faire une lettre ouverte, à répondre, à réagir sur le tas, mais bon, je me suis calmé et je me suis dit il faut que je réfléchisse. Pour voir quelle serait la meilleure réponse que je peux apporter euh, par rapport à ça parce que j'estime que c'est un danger euh, que c'est un tort euh, même pour les jeunes pour les moins jeunes de pouvoir s'adonner à de telles pratiques donc le temps est passé et euh, comment dire euh, il y a quelques mois euh, donc euh, je pense le mois de juillet 2021 voilà euh, le Saint-Esprit m'a rappelé cette situation et il m'a dit, il est temps que tu écrives et que tu travailles sur les dangers de l'occultisme, en particulier dans la vie des jeunes. Il faut que tu expliques en quoi c'est un problème, en quoi c'est dangereux et, et que tu le démontres et que tu présentes les solutions voulues par le Seigneur. Et donc j'ai commencé à, à travailler, j'ai commencé à méditer là-dessus. Nous étions le 9 juillet et le 16 juillet, j'ai eu un entretien avec un jeune homme qui, qui fréquente l'église et qui, donc, dans nos échanges, on est arrivé à parler de spiritisme, d'occultisme et de, de pratiques un peu occultes dans les différentes familles, etc. Et parce que sa famille, justement, avait ce genre de pratiques. Et il s'interrogeait sur toutes les difficultés et, et toutes les malchances qu'il qu qu observait dans sa vie. Et, et justement, il en arrivait à s'interroger si ce n'était pas lié à ces choses-là. Et je n'ai pas hésité, je lui ai dit qu'il y avait une forte corrélation, une forte connexion entre ce qu'il vivait et les pratiques occultes de sa famille. Et donc, on a discuté ensemble et j'ai tout de suite dit, attends un instant, et je suis allé chercher ma tablette où j'avais écrit des choses en rapport avec ce sujet-là. Et du coup, ça répondait à toutes ces questions. Et donc, j'aurai l'occasion de vous partager ces, ces, ces méditations, ces réflexions, pour que nous puissions tous prendre conscience du danger de ce que qu'on nous présente à l'extérieur comme étant des pratiques qui peuvent permettre à des choses de bouger dans notre vie. Euh, en faisant certains rituels et en pensant que il n'y a pas de répercussions négatives. Voilà. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que je viens aujourd'hui pour euh, dénoncer les dangers de l'occultisme. Vous savez, la curiosité est une bonne chose, mais elle nous expose aussi à des réalités que nous ne maîtrisons pas, euh, que nous, dont nous ne mesurons pas l'impact véritable dans nos vies, notamment le fait d'entrer en contact avec des esprits, euh, des esprits, entrer en contact avec des entités spirituelles. Il euh, y en a qui le font par simple curiosité, il y en a qui le font parce que véritablement ils veulent voir des choses dans leur vie, et ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas en train de contacter l'esprit de Dieu, mais qu'ils contactent des démons, qu'ils contactent des esprits méchants. Qui contactent des, des, des esprits euh, qui sont euh, déchus hein, de, la face, de devant la face de Dieu. L'occultisme, euh, c'est l'ensemble des croyances aux sciences occultes. Hein. L'occulte, c'est ce qui est caché, inconnu par nature, ésotérique, mystérieux. Donc, c'est l'ensemble des doctrines et des pratiques secrètes qui font intervenir des forces. Hein, des forces qui ne sont pas reconnus ni par la science ni par la religion, d'une manière générale. Ça, c'est la définition du dictionnaire, du moins une des définitions. Et dans ces sciences occultes, vous avez l'alchimie, la magie, la sorcellerie. Voilà, il y a beaucoup de choses. Euh, le, le, comment dire ça Tout ce qui est euh, consultation des, des, des esprits des morts, hein, euh, tout ce qui est horoscope, euh, toutes ces choses euh, font partie des sciences occultes. Alors, vous savez, le monde spirituel a été créé par Dieu. C'est important de comprendre que Dieu est le Père des esprits. Il est le Créateur de toutes choses. Et lorsque Dieu a créé euh, l'univers, le monde, les entités spirituelles, euh, il s'est passé quelque chose. C'est que l'iniquité, le péché a été trouvé dans un ange créé par Dieu qu'on appelait Lucifer. Et c'est cet ange appelé Lucifer qui est devenu le diable, le démon, Satan. Lorsque le péché a été trouvé en lui et qu'il a tenté une rébellion contre Dieu, il a tout de suite été expulsé de la présence de Dieu. Et cette expulsion donc du diable et du tiers des anges euh, constitue euh, le, le cataclysme qui s'est produit et qui a mis le chaos sur la terre que Dieu avait créée sur les choses que Dieu avait organisées. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 1 et le verset 2, en fait, il y a un écart euh, entre ces deux versets et justement un des événements majeurs qui s'est produit. Euh, beaucoup de théologiens aujourd'hui en arrivent à cette conclusion pour dire que Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. Dieu a créé la terre avec une forme, il a créé des êtres spirituels, des entités, il a créé... Les, 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 comment dire, tout ce qu'il y a dans l'univers et cette rébellion a entraîné la chute du diable sur la terre et cette chute a créé justement ce chaos, ce tohu-bohu que l'on retrouve dans Genèse chapitre 1 verset 2 où on dit qu'il y avait les ténèbres à la surface des eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, donc, il existe des entités spirituelles qui ont été expulsés de la présence de Dieu et qui vont donc euh, euh, être animés d'une méchanceté caractérielle. Ils vont être animés d'une animosité vis-à-vis -vis des hommes que Dieu a créés et vis-à-vis -vis de toute la création de Dieu. C'est important de comprendre ce contexte-là. Et la Bible est très claire, donc je vais commencer avec... Euh, ce passage de Éphésiens 4 Éphésiens chapitre 4 le verset 27 donc je suis en train de parler des dangers de l'occultisme donc tout ce qui est toutes ces sciences qui nous mettent en contact avec des entités spirituelles OK dont le diable est finalement le chef d'orchestre et voici ce que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Donc, le diable est un ange déchu, c'est un démon, c'est le prince des ténèbres, et c'est lui qui régit euh, l'organisation des esprits mauvais. C'est lui qui est un peu euh, euh, le chef d'orchestre. Quand vous lisez dans Éphésiens 6,12, la Bible dit Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ensuite, il va citer les armes en question. Donc, comprenons que il existe des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ces différentes catégories d'esprits méchants qui vont donc s'activer pour pouvoir nourrir la doctrine de ces sciences occultes euh, euh, qui sont souvent étudiées dans les sociétés secrètes, dans les loges, dans... Voilà. Euh, dans ces endroits euh, soi-disant de réflexion euh, et de philosophie, mais en réalité, on finit par arriver à méditer, à, 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 à comment dire ça, à s'intéresser à ces questions-là, et on entre en communion avec ces esprits-là. Et c'est pas forcément des objectifs qui sont mis en avant de premier abord, mais les gens finissent par tomber là-dedans et se retrouvent pris au piège d'accord et très souvent euh, euh, les gens vont être attirés par euh, le fait de découvrir des choses un peu inédites découvrir des choses sensationnelles découvrir des choses qui peuvent nous permettre d'avoir une influence ou, un, ou du moins d'influencer le cours de notre vie. Mais, mais mes amis ces choses ne se font pas sans conséquences sans conséquence. Si vous n'avez pas encore partagé le live, s'il vous plaît, euh, pardon, ce programme, faites-le, partagez-le à au moins dix personnes autour de vous. Quelqu'un a besoin d'entendre la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous sommes dans un univers euh, où il y a des forces en présence. D'ailleurs, euh, quand vous regardez euh, Matthieu chapitre 4, où on nous parle de la tentation de Jésus-Christ lorsqu'il a été rempli par l'Esprit après son baptême et conduit dans le désert. Le diable est venu le tenter, le diable est venu l'éprouver, le diable est venu lui proposer un certain nombre de choses. Mais vous voyez que euh, le Seigneur Jésus-Christ a reprimandé euh, Satan et il y a une chose que le diable va dire, hein, euh, qui est quand même, euh, qui nous montre. L'influence qu'il a sur les royaumes et sur les, 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 les organisations humaines dans lesquelles Dieu n'a pas sa place. OK? Donc, dans Matthieu euh, chapitre 4, on va le lire ici. Donc, alors, on va plutôt lire dans Luc. Je pense que c'est plus explicite dans Luc. Chapitre 4, Luc 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit, il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, comprenez que le diable a un contrôle sur les royaumes de ce monde, sur les organisations humaines. C'est pourquoi nous avons besoin non seulement de nous réconcilier avec Dieu, mais de pouvoir accepter la délivrance que Dieu seul est capable de nous donner par la personne de Jésus-Christ. Je suis en train de poser le contexte pour que vous compreniez que nous vivons dans un monde qui, où effectivement il y a des puissances, il y a des influences qui sont là et qui peuvent affecter la vie des gens, ceux qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas Dieu. Regardez encore un autre passage pour vous montrer qu'il y a effectivement un, un monde des ténèbres, une puissance des ténèbres qui retient les gens captifs. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de Son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, on sait que il y a la puissance des ténèbres et que quand on est en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de cette puissance. Donc, comprenez que il y a un contexte où les esprits mauvais veulent avoir le contrôle sur la création de Dieu, sur les hommes que Dieu a créés à son image. Les esprits mauvais veulent donc entrer en relation. Et donc, comme je vous l'ai dit dans Éphésiens 4, on dit de ne pas donner accès. Ne pas donner accès, c'est ne pas appeler, ne pas invoquer, ne pas accueillir, ne pas fréquenter. Il y a des gens, par exemple, qui s'amusent. À aller consulter des voyants pour tirer les cartes afin de connaître quel est leur avenir etc bien aimé c'est dangereux de le faire pourquoi parce que vous exposez votre vie vous exposez votre vie à la volonté de ces esprits là parce que ils n'ont pas le diable ne connaît pas l'avenir et le futur il ne peut que orchestrer des événements qui vont dans le sens de ce qu'il veut voir arriver dans votre vie. Donc, toutes ces personnes qui, soi-disant, vont euh, entrer en contact avec des entités, tout cela, c'est pour vous mettre en, en relation, vous mettre en communion avec ces démons-là, et ils vont venir vous influencer, que vous le veuillez ou pas, ils vont vous influencer. J'ai entendu parler, vous avez certainement entendu parler euh, de ces expériences. Que des jeunes vont faire dans les écoles, dans les lycées, esprit, es-tu là? Et donc, ils vont invoquer un esprit, ils vont lui demander de bouger la table, de bouger des objets, de déplacer des objets, etc. Pour eux, c'est amusant, pour eux, c'est marrant, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'établir un accès au diable dans leur vie. La Bible est claire, Ephésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Si le diable venait pour faire le bien, la Bible ne nous aurait pas interdit de lui donner accès. La Bible ne nous aurait pas prévenu de ne pas ouvrir des portes. Est-ce que quelqu'un m'entend Donc, si la Bible dit de ne pas donner accès, c'est parce que euh, si nous donnons accès à ces esprits-là, eh bien, ils vont nous faire du mal. D'accord Ils vont nous faire du mal. Alors, regardons. Deutéronome chapitre 18, le verset 11. Là, vraiment, on avance. Vous allez voir clairement que le Seigneur proscrit de façon explicite la pratique de ces choses. Deutéronome 18, à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Comprenez bien que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que les hommes soient réconciliés avec lui. La Bible dit nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Dieu veut que nous puissions être son peuple. Dieu veut que nous puissions l'appartenir. Peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Je te, je te, je te dis aujourd'hui que le Seigneur t'appelle à revenir vers lui. Il t'appelle à te réconcilier avec lui parce qu'il est ton créateur et il veut être ton Dieu. Et il nous prévient ici, il y a des pratiques qui sont en abomination à l'éternel. Il n'y a pas un mot. Euh, moins fort que celui-là, abomination. D'accord. Donc, c'est des choses que qui qui comment dire ça, qui dégoûtent le Seigneur. C'est des choses que Dieu n'aime pas. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Vous comprenez Si c'est une abomination, c'est parce que cette chose n'est ni pour le bien, ni ne fait du bien, ni ne contribue au bien. C'est pourquoi il dit, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Vous comprenez Donc, c'est très clair. Je vais relire parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne, il n'y a pas d'ambiguïté dans la parole de Dieu et vous ne pouvez pas jouer avec ces choses sans penser qu'il y aura des répercussions négatives sur votre vie. Vous savez, si Dieu nous défend quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut juste être le mauvais père qui passe son temps à nous interdire des choses. Euh, je pense qu'il a beaucoup de bonnes... Il a mieux à faire. Tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, tout ce que Dieu nous, nous donne comme commandement, comme prescription, c'est pour notre bien. Parce que Dieu est un bon Dieu. Il est caractérisé par la bonté. Tandis que le diable est méchant, il est caractérisé par la méchanceté. Vous comprenez ça Et il y a quelqu'un qui était versé dans l'occultisme... Dans mon pays, le Gabon, lorsque j'étais encore très jeune, qui faisait des émissions à la radio, euh, l'aventure mystérieuse, hein, je, pour, pour citer, là, les anciens vont, vont, vont se rappeler. Mais ce monsieur avait fait une déclaration une fois. Il dit Pour être un bon sorcier, il faut être foncièrement méchant ou le devenir et le rester. Est-ce que vous entendez Est-ce que vous entendez Il dit Pour être un bon sorcier, il faut être foncièrement méchant ou le devenir et surtout le rester. Est-ce que vous vous, vous vous rendez compte que c'est carrément euh, adhérer de son plein gré à la méchanceté, c'est-à-dire ne pas faire le bien? Et vous comprenez pourquoi Jésus-Christ, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien partout et guérissant. Tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan, car Dieu était avec lui. Donc, Dieu nous a ouïs pour faire le bien et non le mal, et il nous a ouïs pour délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Comprenez que ces pratiques euh, occultes vont renforcer l'emprise de Satan sur votre vie, le contrôle, la domination de Satan sur votre vie. Ces pratiques ouvrent des portes au diable. Et ces pratiques vont avoir donc pour conséquence de souiller votre esprit. On parle des souillures spirituelles. Lévitique 19, 31. On va le lire ensemble. Lévitique 19, 31. Si vous êtes dans ces pratiques occultes, je vous encourage à vous rapprocher de nous. Nous allons vous aider à vous en défaire, à vous séparer de ça et à sortir de ces alliances occultes et malsaines dans lesquelles vous êtes. Nous allons vous aider et Dieu nous a ouins pour ça. OK Donc, Lévitique 19, verset 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ah ah Écoutez, là on voit un danger, très clairement. Il parle de se souiller. Et bien aimé, on parle des souillures spirituelles. « Sachez que vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Et Dieu s'intéresse à votre être entier. » La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « afin que l'esprit, l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés purs pour Dieu. Dieu vous appelle à la pureté, à la sainteté. Et cette pureté, cette sainteté doit concerner votre esprit, votre âme, votre corps et tous les aspects et les domaines de votre vie. Et bien aimé, le fait d'aller rechercher ceux qui invoquent les esprits, et il dit, vous allez vous souiller avec eux. Ça veut dire que ceux qui invoquent les esprits se souillent en invoquant les esprits. Et si vous, vous allez vous mettre avec ceux qui invoquent ces esprits, vous allez vous souiller avec eux. Mais cette souillure vient d'où Elle vient de la connexion avec ces esprits-là, de la connexion avec ces démons, de la connexion avec ces mauvais esprits. Bien aimé, que personne ne vous mente. Les démons sont des, des esprits malsains par, par essence, par nature. Vous comprenez ça C'est pourquoi. Il y a une condamnation divine sur le diable et ses démons. Savez-vous que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Et le diable veut tout faire pour que des hommes puissent aller avec lui en enfer. Les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu pour être en communion avec Dieu et non pas en communion avec les démons. Est-ce que vous comprenez ça Donc, la souillure de l'esprit est une... Euh, comment dire ça C'est euh, comme c'est comme des déchets, d'accord, qui vont affecter votre esprit. Est-ce que quelqu'un, euh, quand, quand vous regardez euh, le, le, le monde naturel, ok, chacun dans sa maison a une poubelle, n'est-ce pas Donc les déchets, les ordures, on met à la poubelle. Ensuite, on va jeter euh, dans la benne à ordures et puis les, 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 les services de la mairie viennent enlever ces ordures pour aller les traiter loin de la ville, parce qu'on ne voudrait pas avoir des déchets autour de nous. Personne n'aime vivre dans les déchets. Personne n'aime vivre dans la saleté. Personne n'aime vivre dans les souillures. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Il y a des déchets spirituels. Et ces déchets spirituels sont liés aux mauvais esprits. Ces mauvais esprits puent, vous comprenez Spirituellement parlant, ils puent. C'est de la pourrissure spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend Donc, la Bible est claire. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, il y a un danger de se souiller spirituellement. Et, et mes amis, sachez que le monde naturel est commandé par le monde spirituel. Les souillures de l'esprit vont finir par avoir des conséquences dans votre âme, dans votre corps et dans les domaines de votre vie. C'est pourquoi nous avons besoin du pardon de nos péchés. Quand on parle des souillures, c'est ces choses qui nous disqualifient de pouvoir nous présenter devant Dieu. Ce qui nous disqualifie de nos droits devant Dieu, c'est pourquoi Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par son sang précieux. Lorsqu'il il s'est donné pour le salut de l'humanité, il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous puissions avoir la paix avec Dieu et que nous soyons lavés de nos souillures, que nous soyons sanctifiés. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est la solution à toute souillure que nous pouvons avoir dans notre esprit, dans notre âme et même dans notre corps. Donc, comprenons qu'il y a le danger de la souillure de notre esprit. Et il y a même des passages qui parlent de la prostitution spirituelle. D'accord Parce que nous allons consulter des esprits. Les amis, ces esprits-là ne sont pas des esprits de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont été condamnés, ils ont été éjectés de la présence de Dieu et il y a une condamnation ouverte qui les attend. La Bible dit que Dieu réserve les temps de souffre et de feu pour le diable et ses démons. Est-ce que vous comprenez ça donc le diable et ces démons ne peuvent pas se repentir mais nous les hommes nous pouvons encore nous repentir. et donc quand vous entrez en alliance en communion avec ces démons là, ils vont vous amener à tellement vous souiller à faire des choses qui vont tellement souiller votre âme que vous aurez du mal à croire que Dieu est capable de vous pardonner il est capable mais j'aimerais vous dire que le sang de Jésus est plus puissant, que n'importe quelle souillure, que le sang de Jésus est précieux et pur, et son sang est capable de vous laver de toute souillure et de vous délivrer de toute influence satanique démoniaque. Est-ce que quelqu'un m'entend Partagez cela à quelqu'un. Je vais donner un dernier passage qui est encore très clair. Euh, donc, dans ce premier point hein, qu'on a vu, euh, ne pas donner accès au diable, ne pas entrer en communion, ne pas appeler. L'apôtre Paul va être clair dans 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu, nous sommes les chrétiens de Béret, nous vérifions dans les Écritures les choses, d'accord 1 Corinthiens 10, 20. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Est-ce que vous comprenez ça Alors là, on est dans le contexte des viandes sacrifiées aux idoles. Ok, on est dans ce contexte où l'apôtre Paul est en train de d'encourager les chrétiens à élever leur niveau de conscience. Ok, par rapport à tout ce qui est parce qu'il y avait des pratiques souvent dans cette dans cette Asie mineure, euh, les gens qui font des sacrifices à des dieux. D'où justement euh, ce, ce témoignage que je vous racontais de ce frère qui me disait que sa famille fait des sacrifices aux esprits, aux ancêtres, etc., etc., depuis des générations. Et, et je lui ai dit que ces pratiques ouvrent des portes aux démons, et les démons qui sont donc invoqués dans ces sacrifices et dans ces pratiques ne viennent pas pour faire le bien aux membres des familles qui les ont invoqués. Vous comprenez Le diable... Et a été pollué par l'iniquité, par le péché, à un point où il ne sait pas faire le bien, il ne peut pas faire le bien. Et je pense même avoir écrit, euh, je crois avoir écrit quelque chose dans ce sens, on verra la prochaine fois, je dis, un esprit mauvais ne fait pas le bien, il ne sait pas le faire, tout au moins, sans une contrepartie très désavantageuse. Pour le malheureux bénéficiaire, c'est-à-dire que quand un esprit mauvais vous fait croire qu'il va vous faire le bien, je vous donne un exemple. Oui, cet esprit est là pour nous protéger. On parle souvent des protections. Souvent dans les familles, euh, euh, les gens vont faire des pratiques soi-disant pour être protégés du mauvais œil, de la sorcellerie, etc. Mais vous ne pouvez pas aller vous confier à votre bourreau et penser qu'il va vous protéger. Il peut vous protéger d'un autre bourreau, mais il finira par vous j'allais dire vous bourrifier <laughs> par vous sacrifier il finira par vous faire du mal parce que il est conçu il a été déformé de façon structurelle et il ne sait pas faire le bien donc s'il te donne quelque chose avec la main gauche t'inquiète qu'il va t'écraser avec la main droite et il va récupérer le double de ce qu'il t'a donné c'est comme ça que le diable est conçu donc soyons conscients L'apôtre Paul dit Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, parce que ce n'est pas une bonne chose. Voilà pour cette première partie de notre enseignement sur les dangers de l'occultisme. Nous aurons encore plusieurs choses à voir. Je vous donnerai des exemples concrets. Nous allons vraiment dénoncer ces choses et nous allons surtout prier. Et je prie maintenant, si tu m'écoutes, et tu es dans des pratiques occultes, et tu ne sais pas comment t'en sortir. Je viens prier pour ta délivrance maintenant. Je viens proclamer ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Et je t'invite à faire la paix avec Dieu et à te rapprocher de nous pour que nous puissions t'aider en pratique à te défaire de ces alliances et de ces liens occultes dans lesquels tu es. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple, vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram à Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact à Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite, sur AsuR Dion.